Bonjour, bonjour tout le monde. Partagez massivement ce direct. J'espère que le titre vous dira suffisamment assez. Donc, comme je disais, regardez le titre et partagez massivement. Je profite déjà pour faire un petit coucou à Betty Le Camite, Cathy Bertrand, qui a écrit cet ouvrage. Un ouvrage très, très intéressant. Vraiment magnifique. Regardez. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'acheter, n'hésitez pas, faites un tour. Allez l'acheter. C'est assez intéressant. Assez intéressant. Je vais vous lire pour ma part dans ce live. Une partie, un extrait de cet ouvrage, moi personnellement. Voilà. Voilà. Alors, au niveau du son, confirmez-moi si le son est bon. Voilà, continuez de partager, hein. N'hésitez pas à partager, continuons de partager, partageons, partageons, partageons max. Voilà. Bonsoir à toi, mon artiste préféré au cigare. Un artiste personnel. Voilà, je peux maintenant regarder le message. Le son est bon, on me confirme. Alors, vous savez, aujourd'hui, je vais venir sur une thématique assez particulière. C'est par rapport à ce qui se passe au Cameroun déjà, comme toujours. Donc, la question que je vais faire aujourd'hui, c'est par rapport à beaucoup de confrères qui m'ont contacté pour savoir si effectivement, celui qu'on appelle le Zoom Lors, le Zoom Lors, le Zoom Lors. Amourou Belinga est du côté de Paris. Voilà, donc pour en dire plus, n'hésitez pas à le partager. Partager, on va en parler ce soir. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous les amis, amis révolutionnaires et combattants qui sont là pour nous. Bonsoir à toi, Kitcha. Bonsoir, Ousmane. Bonsoir, Vizou. Bonsoir, Femba. Bonsoir à toi, Amin. Bonsoir, bonsoir Betty, bonsoir bonsoir Félix, bonsoir Socrate. Wow, il y a beaucoup de noms, et bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont là. Si vous commencez à lire le nom, je vais avoir l'impression de lire la Bible à vous. Donc, partagez ma signification, partagez ma signification. Alors, avant qu'on commence, je vais vous faire entendre quelque chose. Je vous fais juste quelque chose pour que vous compreniez dans quelle situation on se trouve au Cameroun. C'est juste comme ça pour me donner notre entretien, hein, le temps pour partager. De nous bloquer ici. La commissaire de l'Union européenne qui nous finance de nous bloquer ici. Même le jour de fête, ils sacrifient le jour de fête et renforcent encore les efforts, ils renforcent encore les militaires au bord de l'eau. Une distance de 5 km pour rejoindre le côté espagnol, 5 km. Et nous bloquent toujours ici au Maroc. Même le jour de fête, que ça c'est sacrifié pour nous bloquer ici. C'est ce qui se passe. Tout ça à cause de notre régime qui nous pousse. Il y a plus de Camerounais ici au Maroc que d'autres pays. Il y a plus de jeunes Camerounais ici au Maroc par rapport à d'autres pays. Tu ne peux jamais me voir. Bonjour à toi, Flora. Qui, qui, qui,
qui ne peut jamais voir un Congolais ici au Maroc qui souffre comme un Camerounais. Tu ne peux jamais voir un Gabonais ici au Maroc qui souffre comme un Camerounais. Tu ne peux jamais voir un Équato-Guinéen qui souffre comme un Camerounais. C'est toujours nous les Camerounais qui voient. C'est toujours nous. Pourquoi? C'est toujours nous les Camerounais. Je vous prie, aidez-nous. Parlez pour les 100 voix comme nous là. Nous sommes ensemble. Nous vous soutenons. Parce que vous êtes les voix des 100 voix comme nous. Aidez-nous. Voilà, ceci est un message que j'ai reçu. Vous avez certainement regardé cette vidéo qui est devenue virale lors de la fête du mouton. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça en français. Il y a un Camerounais qui a été tué du côté du Maroc. Il y a donc une vidéo qui a fait la tournée, qui a fait le tour des médias, des réseaux sociaux en général. Et ça, c'est donc la voix de quelqu'un qui était sur le terrain avec ce Camerounais, et il nous racontait donc en quelque sorte ce qui s'est passé réellement. Il demandait donc que le message soit porté, et je me devais donc, en tant que tel, de vous faire passer le message. Il a plusieurs messages qu'il a passés. Il explique par exemple les circonstances de la mort, de l'assassinat de ce Camerounais du côté du Maroc. Et c'est vraiment aberrant de se rendre compte qu'au Maroc, c'est les jeunes, les policiers qui sont entretenus pour tuer, pour banaliser la mort, comme je voulais dire. Et c'est important de s'en rendre compte parce que, au-delà de tout ce que nous avons vu, au-delà de tout ce qui se passe dans le monde entier, concernant les Noirs, on a quand même des personnalités camerounaises. On a des personnes qui devraient être touchées en premier. On a des personnes qui devraient se battre pour que la situation change, qui prévarique notre État, vole notre argent, dilapide les biens de l'État, pille totalement la moralité des Camerounais. Et au rang de ces personnes, nous pouvons citer Amougou Belinga. Amougou Belinga, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un personnage vraiment malheureux, je vais dire malheureusement connu au Cameroun comme étant quelqu'un qui a apporté un plus ou une plus-value. C'est avant tout quelqu'un qui a une visée politique. Et outre sa visée politique, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour atteindre son objectif. Je vous ai dit lors d'un direct que j'ai fait précédemment que la nature même officieuse de ses rapports, de ses problèmes avec son journaliste directeur qu'il a évacué et tous ceux qui sont en train de partir de son média aujourd'hui, c'est d'abord un problème de nature politique. Parce que je vais vous expliquer tout au long de ce direct comment est-ce que ce média réussit à prendre l'ampleur qu'il atteint aujourd'hui et le rôle fracassant, le rôle néfaste que Amougou Belinga a eu dans cette effervescence-là, dans cette marche vers la destruction des médias alternatifs au Cameroun, parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, partagez au maximum, partagez. Je vois qu'il y a beaucoup d'amis combattants qui sont là. Partagez aussi, partagez et invitez d'autres personnes parce que la plateforme est ouverte. Le numéro de téléphone, vous le connaissez. Vous appelez, vous donnez votre point de vue par rapport à ce que je vais dire. Vous donnez votre point de vue par rapport à la mobilisation. Vous donnez votre point de vue par rapport à la situation actuelle du Cameroun. Donc, j'attends que vous partagiez afin qu'on lance vraiment les hostilités. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Amougou Belinga a joué un rôle très négatif dans ce qui s'est passé au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Et il faut que vous compreniez le rôle fondamental que jouent les réseaux sociaux dans ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Parce que pour beaucoup de personnes, il serait difficile d'avouer aujourd'hui que le réseau social, comme Facebook par exemple, a contribué majoritairement à libérer le Cameroun, du moins à libérer certaines consciences, certaines mentalités. Ce qui se passe avec Amougou Belinga, c'est que à un certain moment, il y a un média au Cameroun qu'on appelle Canal 2.
Canal 2 est devenu en quelque sorte la vitrine des médias alternatifs du Cameroun. Canal 2 a pris le pouvoir en ce qui concerne les médias alternatifs au Cameroun. C'est quoi un média alternatif? J'ai pendant longtemps expliqué aux Camerounais ce que représente en fait ce qu'on appelle le système de l'information. Et au Cameroun, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des diplomates, des politiques, ont compris qu'il fallait bipolariser l'information au Cameroun. Et je vous explique ça à chaque fois que je suis en direct. Pour ceux qui ne comprennent pas totalement, retournez dans certains directs que j'ai faits où je parle, par exemple, du système de l'information au Cameroun. Vous verrez clairement dans ces sorties qu'au Cameroun, il y a un secteur qui est dirigé par les forces de défense qui ont été renforcées par ce qu'on appelle Mebengo. Et d'autre part, il y a un service qui est sécurisé, renforcé, nourri chaque jour par le système de l'exécutif avec des personnes comme Paul Biya et tous ceux qui sont autour de lui. Aujourd'hui, ce sont des gens comme Ngongo qui les gèrent. Voilà les deux polarités que connaissent l'information au Cameroun. Et la plupart des journalistes au Cameroun, la plupart des journalistes sont soit du côté de Ngongo, soit du côté de Mbeki. Ça a été le cas pendant longtemps. Et je vous ai d'ailleurs expliqué que c'est les conséquences de la répressivité du système qui était avec Mbeki, qui avait avec lui des forces de défense, qui ont donc contraint certains journalistes ou bien certains animateurs de fuir le Cameroun pour se réfugier en Europe. Bien entendu, sous les frais des Camerounais, avec l'argent du contribuable qui avait été pris par ceux-là du côté du Congo, pour les amener à l'étranger. C'est la même chose avec les médias. Au Cameroun, la plupart des médias que vous voyez tous, en général, peut-être la quasi-totalité, pour être plus exact, sont encore dans ces mêmes schémas. Vous verrez que tous les journaux du Cameroun, aujourd'hui, à l'exception de quelques rares médias, ont les mêmes titrailles. Si vous regardez le titre de mutation, c'est une remise en phase, c'est une recontextualisation du titre, par exemple, du messager. C'est une modification de quelques signes du titre de, par exemple, Le Jour. Tous ces journaux ont le même titre. J'ai fait tout un direct pour vous expliquer comment ça se fait. Et vous pouvez encore aller regarder même dans les journaux. C'est la même chose en France. Les journaux sont donc dépendants à la fois du système de la défense, c'est-à-dire le système de défense intérieure du pays, et système de défense, système politique. Et c'est la bagarre, la lutte entre ces deux systèmes-là qui fait que les journalistes camerounais ne parlent pas depuis. C'est pour ça que vous verrez très peu de journalistes camerounais qui réussissent à dire ouvertement leur position par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Parce que s'ils le disent, leur adversaire direct, c'est ceux du camp d'en face. Et ceux du camp d'en face ont soit l'arme diplomatique, soit l'arme du ministère de la Défense ou bien de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. Ce qu'on appelle le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, dans le cas du Cameroun. Donc, voilà en quelque sorte ce qui crée la division des médias au Cameroun. Mais à ce niveau-là, il y a un média qui va sortir totalement de l'émail de ce qu'on appelle le CNC, le Conseil national de la communication. Et le CNC, parfois, n'a pas qu'un rôle régulateur. Le rôle régulateur, c'est quoi? C'est de dire aux journalistes, si vous faites des publications, vous ne devez pas écrire pour insulter le président, vous ne devez pas écrire pour attaquer la cohésion nationale, vous ne devez pas écrire pour entraîner le tribalisme. Non. Voilà un peu ce qu'ils font. Donc, essayez de permettre aux journalistes de travailler dans les canaux de l'art sans toutefois nuire à la stabilité de l'État et à la stabilité de la population en intérieur. Voilà. Sauf que le CNC a contribué parce que financé, soutenu, encadré par des personnes comme Amoko Bellingha, a commencé à favoriser les journalistes de Vision 4 au détriment d'autres journalistes qui pratiquaient même mieux le métier que ces derniers. C'est le cas par exemple au Canal 2. À Canal 2, il y avait une émission d'investigation qui avait été ouverte par un ami dont je tairai le nom. Parce qu'apparemment, depuis un moment, les noms des gens que je cite sont des gens qui ont des problèmes plus tard, donc je me tairai de citer son nom. C'est un bon journaliste, bien formé. D'ailleurs, on s'est rencontré au Ghana dans le cadre d'une formation. Il avait lancé une émission qui était une émission d'investigation. Et une de ces séries, une de ces éditions,
s'est déroulé effectivement à Douala, dans un hôpital de la place, où on s'est rendu compte que quand vos personnes mouraient dans les hôpitaux, on prenait une lame de rasoir, on ouvrait le ventre et de l'intérieur, on retirait tous les organes importants pour un corps humain qu'on partait revendre en Occident. Ça, c'est pratique au Cameroun. Et le journaliste en question, s'est rendu compte de cela. Il a donc fait un reportage, un documentaire avec des canaux de l'investigation, des récits, des témoignages, des images, des vidéos qui attestaient de ce coup de droit. Et on voyait clairement que les corps qui étaient dans cet hôpital-là, quand les gens mouraient, n'avaient plus d'organes à la fin. Vous enterriez des personnes sans organes à la fin. Il a donc permis de lever le voile sur cela. Le deuxième cas a été de révéler à la population camerounaise qu'en fait, il y avait par exemple des morgues qui allaient, je ne sais pas si on dit violer des corps, bien sûr, le corps ne lui appartient pas, qui allaient violer des dépouilles mortuaires. C'est un documentaire qui a été écrit, mené à bien par cet individu-là, par ce collègue. Et on a vu en ça, en fait, une menace. Parce que de tous ces journalistes au Cameroun, dans la globalité, personne ne peut se targuer d'être un journaliste d'investigation. Parce que l'investigation est tabou au Cameroun. Seulement de savoir que vous avez fait une formation de journaliste d'investigation vous met dans la liste noire au Cameroun. Vous n'avez pas toutes les accréditations qu'il faut. On ne vous invite pas partout parce que vous avez un regard différent. C'est pour ça qu'au Cameroun, si tu es journaliste, d'abord il faut être... La plupart des journalistes camerounais sont en réalité, ceux que vous connaissez le plus sont en réalité des animateurs radio qui sont levés dans le métier, qui ont appris, qui ont fait le coup. Déjà qu'on n'arrive pas à définir le journaliste au Cameroun. Donc, pour revenir à notre sujet, Canal 2 donc, s'est illustré par la mise en avant des journalistes qui avaient à la fois le potentiel mais la capacité intellectuelle, professionnelle de démontrer que l'investigation pouvait se faire au Cameroun. Et c'est comme ça qu'ils ont mis la main sur des dossiers intéressants. Le cas du jeune homme qui a été tué au Cameroun, qui a sauté du Hilton, nous dit-on, et dont l'enquête est encore ouverte jusqu'à aujourd'hui, vous avez informé Paul Biya, a inquiété tous les journalistes, sauf que personne n'avait daigné aller au-delà de ce qui était visible. Canal 2, à l'époque, s'était encore évertué à aller chercher l'information et avait rendu une information qui amenait à poser des questions sur un certain ministre au Cameroun, Grégoire. Vous voyez que autant d'éléments qui avaient été mis sur pied démontraient donc et mettaient Canal 2 comme étant la référence en termes de médias alternatifs. Alternatifs à qui? Aux deux systèmes dont je vous ai parlé, au système de Ngongo, au système de Mbeki. Maintenant, chapeautant tout ça, l'exécutif, c'est-à-dire Paul Biya, qui a été le président fondateur, le dieu des dieux au Cameroun, comme certains veulent bien le faire croire ou le faire avaler, a compris que s'il ne limitait pas les moyens, les accès à l'information de Canal 2, Canal 2 pourrait très vite devenir dangereux. Alors on a commencé à introduire dans Canal 2 des vipères, des reptiliens qui avaient pour mission d'imploser le système de Canal 2. Ils sont venus à Canal 2, ils ont fait leur travail, bien entendu, normalement, sauf qu'après, il y a eu des années qui a été créée. La question du tribalisme, comme nous la vivons aujourd'hui en Europe, s'est vécue à Canal 2. Et je parle ici sous le contrôle de tous ceux qui sont à Canal 2, ils savent que ce que je dis est vrai. Il y a eu des divisions à tel point que certaines personnes se sentant moins bamiléquées que d'autres. Parce que je dis moins bamiléquées que d'autres parce qu'en réalité, tout le monde est bamiléqué. Tout le monde est Wendo, tout le monde est Boulou, tout le monde est Tchang. En réalité, ils sont dit, parce que quoi, c'est le Camerounais qui est plus. Donc, certains se sentant moins d'une région que d'autres parce qu'il fallait absolument se définir en fonction de sa région, ont quitté Canal 2. Ils sont donc allés dans le média dont nous avons parlé maintenant. Vision. Vous avez bien compris, il s'agit pas seulement de Jean-Jacques Zé, mais il s'agit d'un groupe de journalistes qui sont partis parce que lui était une figure visible, mais derrière, il y avait des journalistes qui avaient quitté Canal 2. Et c'est comme ça donc que l'idée tribale devient, comment dire, un virus dans le système informateur de notre pensée. Moi-même, personnellement, qui vous parle, j'ai fait un entretien d'embauche à Vision 4. On m'a rappelé qu'en fait, il y avait Canal 2 au Cameroun. C'est pour que vous compreniez un peu ce que ça veut dire. Je suis allé voir le boss. Du moins, celui qui était chargé des ressources humaines,
Et il m'a rappelé qu'en fait, il y avait un média. Est-ce que tu es parti à Canal 2? C'est pour tout me dire que voilà, c'est le média de tes frères là-bas. Vas-y là-bas. Parce qu'on s'entendait bien jusqu'à ce qu'ils lisent mon nom. Un nom à connotation, parmi lesquels, ça c'est chaud, c'est compliqué. Donc, vous comprenez que ça a totalement divisé le Cameroun. Même tribal existait au Cameroun, déjà dans les médias en réalité. Et les gens qui ont contribué à rendre ça fort, c'est des individus comme Amo. Parce qu'il y a un tri sélectif à ce niveau-là. Il y a un tri sélectif. C'est comme on appelle ça ici chez nous, la pyramide des pouvoirs. Vous avez en haut des individus qui appartiennent à une caste sociale, à un groupe particulier. En bas, vous avez des personnes qui sont minoritaires. Bon, et tout, la technique et tout. Ceux qui vont venir porter les caméras, courir dans tous les sens. En bas, vous avez les autres. Et c'est comme ça que Canal 2 a toujours fonctionné. Toujours comme ça que Canal 2 a fonctionné. Et en finançant systématiquement tout cela qui pouvait contredire le système de fonctionnement de prévision quadruplette, toutes ces personnes ont été soit virées, soit lynchées, molestées. Et leur vie parfois a été changée en quelque chose. C'est pour ça que la plupart des journalistes qui ont été broyés par le système, vous ne les entendez pas plus tard. Parce qu'on les enlève jusqu'à l'être. Quand vous entendez qu'on amène un journaliste, Bidioka, dont je ris doucement, parce que c'est un monsieur qui nous a copieusement insultés. Mais en tant que journaliste, je me dois de dire que ce qui s'est passé avec lui ne doit pas être. On ne peut pas quand même déshabiller un père de famille et voilà, et exposer les choses. Vous voyez, ce n'est pas sérieux dans un pays qui se veut un pays démocratique. Donc, dans un pays où les choses comme ça se passent, il faut avoir beaucoup de force pour oser venir en parler librement. Il faut avoir beaucoup de force pour revenir devant les médias et en parler librement. Surtout quand, avant ça, on a insulté tous les activistes, tous les journalistes qui plaidaient en faveur de la liberté d'expression au Cameroun. Donc, vous voyez, voilà un exemple de pratiques qui sont faites contre les journalistes. Il y a des journalistes qui sont sodomisés au Cameroun. Je sais que le mot est fort, mais je me dois de vous le dire. Il y a des pratiques comme celles-là qui sont effectuées au Cameroun, juste parce qu'il faut soumettre l'homme. Juste parce qu'il faut l'anéantir sur le plan moral. Juste parce qu'il faut l'empêcher de pouvoir se sentir homme. Il devient donc la créature de la personne qui lui impose ce genre de soumission. C'est l'humiliation. Il est tellement humilié que il devient un bourreau même pour les gens autour de lui. Parce qu'il a l'impression que personne ne peut le soutenir. Personne ne saurait comprendre ce qui se passe. Et s'il a cette impression, c'est parce que les gens comme Amobou Belinga ont mis de l'argent partout pour créer des réseaux, faciliter les réseaux, pour nuire à un quelconque soulèvement de tête. Je vais aller plus loin. Dans les textes de 90 au Cameroun, régissant la communication des médias et des entreprises, il est clairement mentionné, je ne sais pas si c'est l'article 35 ou 15, je peux me tromper peut-être au paragraphe, mais je sais qu'il est clairement mentionné là-dessus, que, en réalité, un propriétaire de médias ne peut pas avoir à la fois plus d'un média de communication. Ça veut dire que je ne peux pas avoir ma télévision, avoir une chaîne de radio là-bas, avoir un organe de presse là-bas. Ce n'est pas normal. Ça s'appelle de la manipulation. Parce que la même chose que vous allez lire dans mon journal, vous allez l'entendre dans ma radio et vous allez le voir dans la télévision. Ça fait trois facteurs qui fonctionnent avec les trois sens les plus influençables par l'homme. Il y a le visuel et l'auditif. Ce sont eux qui amènent parfois l'homme à palper, à croire que c'est qu'il voit est vrai. Les sens se sont trompés, on nous dit toujours. Donc, c'est pour que vous compreniez que tous ces individus se lancent dans la manipulation. Et c'est une loi qui est violée au Cameroun depuis des années. Donc, après avoir phagocyté les médias alternatifs en les écrasant par le poids des taxes, parce que vision qu'on ne paye pas les mêmes taxes que d'autres médias, il faut que vous le sachiez. Ils ont des avantages en termes de taxation
en termes de fiscalité qui ne sont pas accordés à d'autres médias au Cameroun. Et partant de là, il n'y a rien de pire, de plus difficile, de plus facile en fait pour tuer un média que de lui imposer des taxes qui sont au-dessus de ses moyens. Et à côté, on a des médias qui non seulement ne payent pas les taxes comme les autres, mais reçoivent des voitures de plus de 25 millions de francs. Par la présidence, je dis bien la présidence de la République. Alors, si on est dans un pays où les médias, le système d'information se doit d'être autonome, parce qu'on parle du premier, du second, du troisième pouvoir et du quatrième pouvoir qui est le journalisme, qui sont indépendants, mais ont réussi à avoir un pays au Cameroun où le président de la République décide de signer un décret pour donner une injonction à ce que les journalistes d'un média obtiennent des voitures, pas deux, pas trois. Ces voitures coûtent plus de 25 millions de nos francs. Les artistes n'ont pas de droit d'auteur au Cameroun. On n'a même pas de stade de football à proprement parler. On n'a pas d'autoroute. On n'a pas de système éducatif. On n'a même pas un livre made by Cameroun. Mais on donne 25 millions fois beaucoup. Au moins 4 voitures de 25 millions ont été accordées à Vision 4 pour rien. Alors, Amougo Belinga, en fait, c'est une façon pour le président de remercier Amougo Belinga pour le service qu'il apporte à la présidence du Cameroun. Quels sont les services qu'un directeur, promoteur, propriétaire de chaîne de télévision peut avoir à rendre en état pour un président en particulier, si ce n'est de museler les autres médias qui sont prêts. Donc, ce qui s'est passé avec Amougo Belinga, Vision 4 et les autres médias alternatifs, c'est que c'est la même chose qui s'est passé avec l'opposition à la John Fundi et l'opposition camerounaise. On a donc donné les moyens à Amougo Belinga de faire de son média le média par référence après la CIATV. Vous comprenez donc que les moyens et l'argent qu'il a aujourd'hui ne lui ont pas été donnés parce qu'il fallait que, ou bien parce qu'il a beaucoup travaillé. Non, c'est un argent qu'il a reçu au fur et à mesure qu'il muselait le Cameroun, au fur et à mesure qu'il créait la division dans le Cameroun. Je salue encore ici le grand frère Richard Bona qui a fait un direct dans lequel il parlait quand même, il parlait de l'injection du Bikutsi dans le cercle culturel camerounais dans l'optique de détruire ce qui existait avant, la destruction du monde connu. Dans ce processus, les médias qui étaient acceptés par des personnes comme Belinga Amougou étaient imposés dans d'autres médias. Les promoteurs de musique, les producteurs de musique étaient achetés par ce personnage. Ils ont bâti un empire, mais un empire de contrôle sur l'information. Et c'est dans ce contexte qu'un Camerounais sérieux ne saurait me dire aujourd'hui qu'est-ce que Vision 4, Amougo Belinga, ont apporté au Cameroun. Amougo Belinga s'est senti dépourvu de moyens quand, en 2018, on a décidé de suivre le professeur Maurice Kamto. Parce qu'à ce moment, il avait le monopole de l'information au Cameroun. Quand vous voyez un individu comme El Chenou pose une action en Allemagne, le lendemain, il était pratiquement 10 heures. Ernest Obama fait une édition spéciale pour parler de El Chenou avec son CV, son cursus, ses rapports familiaux. Vous comprenez clairement que Vision 4 a les mêmes moyens d'investigation que l'État du Cameroun. Je vais le dire de façon plus simple pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce que je veux dire. Vision 4 aujourd'hui, les réseaux de communication ou bien les réseaux de recherche. Vision 4, c'est les réseaux qui permettent au Cameroun d'avoir des informations sur les Camerounais. C'est Vision 4 qui est le service de renseignement sur le territoire du Cameroun. J'espère que c'est plus clair comme ça. C'est pour ça qu'ils reçoivent de l'argent de l'État constamment pour visiter, saluer leur travail.
parce qu'ils font leur travail. Ils créent la psychose. Vous aurez l'impression que tout ce que vous dites à Yaoundé, tout ce que vous racontez dans la voiture, derrière une moto, arrive toujours à être entendu par des personnes. Comment? Et comment ils le font? Comment ils arrivent à deviner que hier soir à 22h, par exemple, vous étiez derrière une moto et vous avez parlé de Paul Biyamal? Comment ils font pour vous cibler partout? Ces gens paient jusqu'au colboxeur. Parce qu'ils veulent avoir les faveurs de l'État du Cameroun. Voilà les médias pensés par les Camerounais. Vision 4. Pour tous ceux qui vous racontent que les services secrets camerounais sont forts, oui, ils ne sont pas forts. C'est parce qu'ils donnent beaucoup d'argent à Vision 4 et à ce genre de médias-là. Parce qu'il faut tuer totalement les autres médias alternatifs, les museler pour prendre toute la sphère communicationnelle disponible. Et là, ils vont mourir. Soit ils vont collaborer, soit ils vont mourir. Et vous voyez que Vision Canal 2 a fait son choix. Canal 2 a fait son choix. Et le professeur Maurice Kamto le rappelait bien quand il était à Paris le 1er février. Vous comprenez bien de quoi je parle. Donc, c'est en fait de ça qu'il est question. Voilà, si je peux vous donner, voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'histoire en quelques valeurs bien détaillées de Vision Canal sur le plan. Sur le plan normatif de ce qu'ils ont fait au Cameroun. Et l'individu, Amougou Belinga, décide donc de ramasser ses clics et ses claques, alors qu'on nous informe au Cameroun, ça fait quelques jours, que Amougou Belinga est privé de sortie du territoire. Ce n'est pas Vision 4 qui vous informe. Ce n'est pas Vision 4 qui vous informe. Ce n'est pas Canal 2. C'est un communiqué qui est tamponné, c'est un communiqué qui est signé par des instances sérieuses du Cameroun. Donc, ça devrait être vrai. Alors, dans ce contexte, voilà donc Jean-Pierre Belinga, il porte même mon nom, c'est pas comme ça. Heureusement, c'est pour les Blancs. Voilà donc Belinga qui arrive en France, à Paris. Il n'est pas venu pour un travail diplomatique. Pour les grands connaisseurs, là, attendez que je quitte des commentaires. Je parle de vous pouvez vous faire un DVD. Voilà. Pour ceux qui sont là, dites-moi un peu en commentaire quelles peuvent être les motivations d'Amougou Belinga d'être venu à Paris. Parce que là où je vous parle à Paris, il est dans un hôtel de la place, un hôtel bien gardé. Je vais donner son nom de l'hôtel vers la fin de ce truc. Pour vous qui êtes là, dites-moi un peu, pardon, je veux voir la créativité des Camerounais. Bonsoir à toi, Ono Lamafou. Je veux voir la créativité des Camerounais. Dites-moi un peu pour quelle raison Amougou Belinga peut être venu en France. Il y a le corona dehors, il y a la deuxième vague qui n'est pas loin d'arriver. On est dans un pays qui est prêt à s'embraser. On a le cas du Nozo qui n'est pas encore résolu. Il n'a pas encore fait une investigation là-bas. Il n'a pas encore rencontré, par exemple, comme dans le Kivu, au Congo, il y a des médias qui se battent, les journalistes mettent même des casques de guerre. Ils vont en guerre, ils vont prendre des informations, savoir les revendications des sécessionnistes, savoir les revendications des rebelles. On fait des tables de discussion de parler organisées par la presse parfois, et la presse parfois se sert de jouer le rôle de relais entre les sécessionnistes et le peuple qui n'est pas sécessionniste, pour préciser, entre ces sécessionnistes et les autres organes dans l'organisation de l'État. Qu'est-ce que ces médias nous ont proposé ici? Nada. Mais Amougou Belinga a quand même pris les responsabilités de venir à Paris. Alors, j'attends vos commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez de pourquoi Amougou Belinga a décidé de venir à Paris. Voilà, je vais lire quelques commentaires. Pour corrompre la diaspora, tu n'es pas loin. Nous sommes là pour venir finir avec le contrat passé avec les Wayou. Pour corrompre la diaspora, c'est le musulman. Ok. Allez-y, commentez les gens, commentez. Les Camerounais, vous êtes forts. Si c'était le Japap, le Japap, vous seriez en train de me donner des principes du Japap, de commérage compliqué là.
En réalité, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Parce que depuis qu'on a dit dans la diaspora, il y a des infiltrés, il y a des si. C'est devenu n'importe quoi. Tu ne peux pas dire quelqu'un, lui, tu dis que ça, c'est un infiltré. Tu demandes l'argent à qui ne te donne pas, lui, c'est un infiltré. Tu vois, quand une femme, tu veux sortir avec elle, elle refuse, tu dis que c'est un infiltré. Quelqu'un te doit de l'argent, il ne te donne pas, tu dis que non, c'est un infiltré. Voilà. Yeah. Vous comprenez donc que la communication qui a été organisée autour de notre révolution a connu beaucoup de failles. Pas des failles seulement parce que c'est nous qui sommes, par exemple, pro-changement, ou bien qui sont ouverts au changement qui avons failli. Parce que les failles, ça arrive, c'est normal. On est des êtres humains. Par contre, ceux-là qui sont les présumés infiltrés ont clairement démontré qu'ils ne connaissaient pas leur travail. Et comme le journalisme, c'est comme l'enseignement, quand vous ne connaissez pas l'enseignement ou le journalisme, c'est devant les gens que vous aurez honte. Parce que vous allez prendre la parole et juste à travers les deux premières phrases que vous direz, les gens vont soit se lever partir chez eux, soit c'est les tomates qui vont vous recevoir. Et je crois que de deux choses l'une, ceux à qui on avait donné la mission en tant que journaliste de distraire, de nuire, de venir survoler dans les aspects bas et troubles de notre évolution avec et les problèmes qui n'ont pas de sens et les femmes et les si on fait ça, tout ce verbiage là qui avait un but pour distraire, un but de distraire les Camerounais, n'ont pas fonctionné parce qu'ils l'ont mal fait. Ils ont mal organisé cela. Et leur grand chef, vous comprenez donc maintenant quelle est la corrélation que je fais. Leur grand chef, puisque le ministre, le Minat, en fait, n'a plus de pouvoir, je vous avais expliqué pourquoi. Puisque le Minat n'a plus suffisamment de pouvoir à Tangandi, il faut donc que celui-là qui travaille bien pour le service de renseignement camerounais vienne donc redynamiser ses troupes, qu'il vienne encore réinjecter un peu d'énergie dans les reins de ceux-là qui étaient déjà finis. C'est ça qui est question. Mais ça aurait été une très grande émission. Si on pense comme ça, c'est qu'on ne connaît pas vraiment le Cameroun. Je vous rappelle que le Cameroun, c'est un pays où on chante que l'homme, c'est le ventre et le ventre. Donc si on parle comme ça, c'est qu'on est trop professionnel. C'est que c'est donné à Jean-Pierre Amoubelinda la capacité de réfléchir comme un homme structuré. Il n'est pas tout. Si on pense comme ça, c'est de croire que Amougou Belinga, c'est quelqu'un qui peut se lever pour servir un État d'abord, avant ses intérêts. Amougou Belinga n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Donc, Amougou Belinga a arrangé ses clics et ses claps, s'est levé de chez lui, a pris son avion, cher, bien entendu, est arrivé à Paris pour rencontrer sa go. En dépit de tout ce qui se passe là, il a dit qu'il va rendre visite à sa femme. C'est ça qu'il faut dire, non? Donc, au Cameroun, il a des problèmes avec une certaine, je ne vais pas dire son nom de famille, une certaine Ivana, une femme qui était très engagée à être journaliste dans ce média, et dont il a recruté par des méthodes bien particulières à lui. Il a décidé de venir à Paris pour d'abord rencontrer une autre femme et par là, il va rencontrer des bons Camerounais qui veulent se battre pour le devenir du Cameroun à leur façon aussi. Donc ne soyez pas surpris de voir Amougou Belinga dans les couloirs de Paris. C'est pas très loin de l'hôtel Meurice. Pas très loin. Donc c'est pas loin. Pour ceux qui prennent la route de Ourcq là, sachez que à partir de Ourcq là, vous pouvez facilement tomber sur Amougou Belinga. Voilà. Donc, c'est important que vous compreniez que ce genre d'informations, qui en réalité ne représente pas grand-chose, devrait apparaître au moins sur la page de plusieurs communicants, journalistes. J'ai reçu l'information, ça fait pratiquement deux jours. Et je me suis dit, hier, je devrais faire une sortie pour en parler, pour mobiliser les gens de façon que vous soyez informés et que ceux qui sont autour de l'hôtel Meurice commencent à ne pas mettre les dispositions qu'il faut, mais qu'il faille prendre.
Sauf que pour le cas échéant, je me suis rendu compte qu'on n'a pas publié. De temps en temps, je regardais sur ma page, je regardais sur Facebook pour voir si les gens en parlaient. Ça, on n'en parle pas. C'est comme le voyage de Chantal qui a eu le 20 ans. Beaucoup ne savaient pas qu'elle a voyagé, apparemment. Pourtant, c'est les mêmes journalistes de l'Europe qui l'ont fait entrer en Italie. Donc, c'est un peu dommage. C'est pour que vous compreniez que jusqu'en Europe, nous sommes toujours dans l'ambiguïté de ces deux groupes de communication. L'ex-groupe rebelle de Mbengo et l'actuel groupe rebelle de Ngongo. Laissez vos histoires de Montazé et tout ça, c'est trop loin. La communication, l'information, c'est le nerf de la guerre. Tant que vous n'êtes pas informé, vous ne faites même pas la guerre, vous ne savez même pas où vous êtes. Vous ne savez même pas pourquoi vous portez la tenue que vous portez. Vous ne savez même pas la symbolique de ce que votre capitaine, votre général vous demande. Vous êtes perdu. C'est de l'information qui tombe. Donc, Amougou Belinga est venu en Europe parce qu'il veut négocier avec cette personne. Parce qu'ils ont compris que Biya est tombé. Je ne vais même pas revenir sur le tracassé de derrière. Moi, je vous ai dit, le corps de Paul Biya va sentir et on se voit comment prendre nos dispositions. Donnez-moi une seconde, j'ai un appel entrant. Voilà. Vous savez, je faisais mon petit Congo ça et c'est important que ça reste dans les couloirs de chez moi. Voilà, donc pour revenir à ce que nous disions, je vais faire de façon résumée pour vous dire, Amougou Belinga a longtemps dirigé les renseignements au Cameroun à sa façon, dans les médias. Son rôle était clairement d'évincer, de nuire à tous ceux-là qui voudraient prendre le devant de la communication, prendre les devants pour libérer la communication et permettre donc au métier de journalisme de devenir libre au Cameroun et que la liberté de presse soit réellement appliquée au Cameroun. Voilà, il a caporalisé l'information, il a caporalisé la liberté d'expression et c'est dans ce contexte que nous comprenons aujourd'hui pourquoi il revient en France, parce qu'il faut, comme il a échoué, prendre les informations et donner de nouvelles missions aux gens. Donc ne soyez pas surpris de voir, moi j'aime casser les pieds à ces gens, j'aime bien les casser, j'aime bien, j'adore ça quand ils mettent un plan sur pied, ils réfléchissent bien comme ils peuvent. Quand ils finissent, moi, je viens seulement vous dire la vérité et dire que bon, tant pis, ça sort, comme on dit au Cameroun. Donc, le but de ces personnes est simple. Ne soyez donc pas surpris de voir que dans les temps à venir, ces personnes se mettent à vous dire, retournons au Cameroun. Il faut qu'on retourne au Cameroun. Partons au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire un tri sélectif au Cameroun. Ils vont choisir le bon et le mauvais grain. Les bonnes personnes qui servent le Cameroun, qui n'insultent pas le Cameroun, qui ne disent pas que Paul Biya est mort, pourtant c'est la vérité, qui ne disent pas qu'il n'y a pas de Sénat au Cameroun, qui ne disent pas qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle, de conseil constitutionnel au Cameroun, tous, nous tous là, qui sommes de ce côté, qui disons qu'on veut une alternance, on est le mauvais grain, on va nous museler. Et ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Amérique, ni quelque pays que ce soit ne dira mot. Pourquoi? Parce qu'on est aussi nuisible pour eux que pour le Cameroun. Ils ont créé un schéma de communication qu'on appelle Internet. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous museler? Puisque nous avons compris la technologie, ils vont bloquer un compte, on va en créer un autre. Ils vont bloquer une page, on va en créer une autre. Parce que tant que leurs frères blancs profitent de l'Internet, nous aussi, on en profite. On a des femmes blanches, on a des sœurs blanches, on a des amis blancs, on a des cousins blancs, on a des tontons, des tatas blanches. Ça fait qu'on est dans le système. On est comme des chevaux de Troie dans le système. Soit ils arrêtent Internet pour tout le monde, ce qui n'est donc pas possible. Soit ils nous laissent communiquer notre chose. Ils vont mettre les filtres, les barrières, les blocages, comme ils le font actuellement, parce que les directs que vous faites, rassurez-vous, hein, ça n'arrive pas chez les Français. Même si vous êtes en France, vos directs n'arrivent pas chez les Français parce que c'est canalisé. C'est canalisé de sorte que seule votre communauté, vos gens-là, écoutent ce que vous dites. Mais le Français lambda qui pourrait changer de mentalité en écoutant ce que vous dites, en suivant les revendications que vous apportez, que vous faites,
Il n'est pas touché par votre message. Donc, Facebook prend le temps de canaliser, de faire sur le plan analytique les informations que vous passez, les mots que vous dites constamment, et il enlève ça de la zone de ceux-là qui pourraient être impactés par ce message. Je suis sûr que si à l'école primaire, certains parents se rendaient compte du mal, de la violence qu'ils faisaient aux enfants noirs et qu'ils suivaient nos directs, ils auraient été impactés d'une certaine façon. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ils ont communautarisé nos communications. Et c'est ce qui se passe en réalité. Donc, si nous, on quitte ce territoire, on ne sera plus une force parce qu'on sera maintenant dans la zone même rouge même de ce que nous faisons. Et à ce niveau, on pourra facilement faire disparaître quelqu'un. Ça va être un scandale comme un autre. Je vous rappelle qu'en Algérie, en Amérique latine, je crois que c'était au Venezuela, il y a eu une guerre dans un terrain de football. Des gens sont morts et morts et morts et morts. C'est devenu un scandale parce que c'était politique. Ça visait à faire changer le système politique. On n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Vous voulez que je vous cite le nombre de Noirs qui sont morts parce qu'ils voulaient changer le monde et qui ont pris des décisions radicales et qui ont fini par être tués et leur mort a été un scandale de plus? Les scandales, on en voit chaque jour. De voir nos combattants, Stevie Sam, Kamala Panthère, telle personne qui. Je ne sais pas, tous ces combattants que vous connaissez, de voir par exemple, je ne sais pas, il y a quel combattant, peut-être pour ce Franck Nyamsi, tous ceux qui se revendiquent être des combattants, des activistes réels au Cameroun, être assassinés. Quelle sera la différence avec l'assassinat de Oum Niobe, d'Ernest Ouandié? Quelle sera la différence? Quelle sera la différence? Aucune. Le peuple ne revendiquera que pendant 2 jours. 3 jours, après ils passeront à autre chose. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont faim. Ils vont revendiquer 2 jours le temps que leur ventre gargouille un peu. Ils vont passer à autre chose. C'est comme ça que l'humanité est conçue. C'est comme ça que l'être humain est. On ne s'indigne pas longtemps sur quelque chose qui ne nous préoccupe pas directement. Et parce qu'on ne les préoccupe pas directement, ils n'ont pas le même sang que nous, ils ne mangent pas les mêmes choses que nous, ils ne pleureront pas comme notre famille, ils n'auront pas les mêmes douleurs que ceux qui sont proches de nous. Alors, ils vont passer à autre chose parce que le monde est conçu en perpétuel dynamisme. On avance toujours. Même ceux qui croient reculer sont en train d'avancer en reculant. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'ils vont venir essayer de vous faire une rétrocommunication en disant que si vous êtes des vrais combattants, retournez au Cameroun. Allez donc au Cameroun parce que eux, ils sont du bon côté. Je vous ai parlé des deux camps. Mebengo, Gongo. Mebengo, lui, il est en prison. Ça veut dire que le camp qui dit non, c'est le camp Gongo. Alors, si vous partez au Cameroun avec ceux-là qui sont du camp de Gongo, Gongo va dire que tel sont mes éléments. Il va les enlever et vous, on vous dit, OK, c'était bon pour votre famille, la vie continue. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous êtes dans une révolution avec des personnes qui réussissent à vous dire que eux, ils ont le pouvoir de faire couper un pont au Cameroun, mais ça veut dire qu'ils ont encore des ramifications avec le Cameroun et pourtant ils vous disent avoir quitté le Cameroun en fuite. Comment est-ce possible quand on peut causer avec le gouvernement, recevoir des injonctions du gouvernement, des notes du gouvernement, quand on peut même savoir ce que le gouvernement planifie, quand on peut même être appelé en particulier par les membres du gouvernement, ça n'a pas de cohérence. Donc c'est pour vous dire, vous savez aujourd'hui, Amougou Belinga, le rôle qu'il a joué dans la presse au Cameroun, ce n'est qu'une partie même, une infime partie, parce qu'il y a encore les aspects occultes même, les crimes rituels qu'ils font avec des êtres humains, les pratiques magico-sexuels qu'ils font avec des femmes au Cameroun, comment ils détruisent la vie des femmes avec des pratiques occultes. Je ne veux même pas en parler parce que je respecte un peu ma chaîne, je respecte votre journée et je ne veux pas que vous passiez une journée triste. Je préfère vous dire ce qui est là sur le plan basique pour que vous compreniez clairement. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Je salue encore Betty Le Camille pour l'ouvrage qu'il m'a. Cet ouvrage, je suis en train de le déguster. Très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Et je demande vraiment à tous les Camerounais qui sont engagés de prendre le temps de lire cet ouvrage. Même pas seulement parce que l'ouvrage est trop intéressant, parce qu'il est intéressant, mais parce que c'est une œuvre qui a été écrite par un Camerounais. Il faut à un moment donné être capable de faire quelque chose pour la communauté. En lisant cet ouvrage, je participe, je contribue à élever quelqu'un qui a marché du Cameroun pour l'Europe. C'est quelque chose. Peut-être qu'il est douloureux. Il y a beaucoup qui disent qu'il faut combattre la migration de cette façon, la migration clandestine, on nous dit donc. S'il y a migration, c'est parce qu'il y a fermeture des frontières. S'il y a fermeture des frontières, c'est parce qu'il y a sélectivité du genre humain.
S'il y a sélectivité du genre humain, ça veut dire qu'il y a racisme. S'il y a racisme, ça veut dire qu'il y a inhumanité. Et tout ce qui est inhumain est abject et nous devons le combattre. Donc, si on commence à combattre les raisons qui motivent les gens à se mettre en route, on va combattre les dictatures, on va combattre la corruption, on va combattre le racisme, on va combattre tous les maux qui nous gangrènent. Donc, moi, je dis, en achetant cet ouvrage, vous soutenez quelqu'un parce qu'en dépit de cette route qu'il a faite, des souffrances qu'il a pu faire, qu'il a pu avoir ressenti, il a produit quelque chose comme témoin de son parcours. Et c'est une œuvre que vous pouvez laisser à vos enfants, à votre progéniture. Donc, Betty Le Camite, j'ai bien reçu l'ouvrage. Merci encore. Et je prie à tous ceux-là, tous les Camerounais qui sont ici en diaspora, en Europe. N'hésitez pas si vous avez des ouvrages de cette nature, si vous êtes artiste, auteur, écrivain, politicien, n'importe quoi, n'hésitez pas, vous avez le numéro de téléphone, vous nous faites signe, il y a des interviews qu'on organise, on aura le temps de vous connaître. Et déjà, pour tous ceux qui sont connectés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, je donne des formations là-bas, et là-bas, je choisis vraiment avec qui je travaille, parce que ma page YouTube est plus professionnelle que celle de Facebook. Allez-y souscrire, et c'est aussi une façon de soutenir mon travail à moi aussi, parce que on dit quoi au Cameroun? Au Cameroun, on dit l'artiste a besoin de ceux qui le soutiennent. Donc, le travail que je fais demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de la recherche. Et pour tous ceux qui veulent soutenir ce travail, parce que je dis sur le plan professionnel, je ne suis pas en train de vous demander de l'argent, je dis sur le plan professionnel, il y a sur ma chaîne YouTube des moyens de soutenir le travail que je fais. Donc, pour tous ceux qui iront, vous verrez en bas de la chaîne, il y a un symbole S. Ou bien vous voulez tout simplement souscrire. Et en souscrivant, vous permettez à la chaîne de vivre. Donc voilà, de travailler longtemps. Parce que ce qui tue nos activistes, ce qui tue nos leaders d'opinion, c'est parce que parfois ils sont asséchés financièrement. Et les gens comme les Amougou Belinga viennent encore faire des tournées là pour dire, voilà, prends un peu d'argent, tu manges. Et ça les radicalise, ça les détourne de la voie qu'ils avaient pris au départ. Vente fin parfois est bizarre. Donc, chers amis, merci. Merci encore de m'avoir suivi ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'il y aura beaucoup de souscriptions sur ma page YouTube parce que c'est là-bas que je travaille le plus. Et vous allez voir, en souscrivant, vous aurez accès à d'autres contenus qui ne sont pas visibles sur le YouTube normal. Donc, merci encore de m'avoir suivi et bonne journée. Pour ceux qui sont à Paris, rendez visite à notre ami du côté du Meurice. Bonne soirée encore à vous.